vraiment m'épouser. Tu m'avais pourtant dit que tu n'as pas une femme aujourd'hui, c'est que wow. Ta permis ça, depuis elle est ici, elle a accouché. Jimani. Et Samba, tu me vois ici? Bonjour. Hein? Bonjour quoi? Hein? Mais ça y est, je t'ai demandé de rentrer chez toi. Hein? Donc tu es tombé ici? Moi aussi, je t'ai dit que ne pas passer comment? Ma propre la sorcellerie, tu comprends? Dans le scandale que tu as fait hier soir, ça te suffit pas? Hein, Samba? Moi, je t'ai seulement dit que moi ne pas partir. Ma femme est partie ici, à cause de toi. Je m'en fous. Tu t'en fous? Je m'en fous. Va dire à tes parents que le père de ton enfant, c'est ton camarade Tonien. Je vous voyais tout le temps, hein? Main dans la main, pendant les heures de pause. Me prends pas comme un idiot. Tu comprends? C'est même qui ça? Tonien, vous me faites rire. Vous me faites rire. Je vous rappelle que Tonien là m'aimait de tout son cœur. Malgré qu'il n'avait pas l'argent, son petit 200 francs qu'il avait, il m'a donné 150. Chose que vous n'avez jamais faite. Vous pouvez faire ça pour moi. Hein? Depuis que nous sommes ensemble, vous m'avez donné combien? Hein? Vous l'avez fait combien de fois? Vous êtes là, vous l'avez fait combien de fois? Fais ma bouche. Okay. Je te rappelle que je suis ton enseignant. Hein? Et ma réputation ici, on ne blague pas avec ça. Tu veux gâter ma carrière? Hein? Faut que tout le monde sache que non, il y a quelque chose entre mon élève et moi. Je m'en fous. T'en fous? C'est quelle insolence ça? Insolence, hein? Donc maintenant c'est l'insolence. Quand tu m'appelais amour, chéri, mon cœur est digne, la balle à la sable, tu sucrais. Ferme la bouche! Tu veux me quoi? Tu me tuer? Tu pleurais! Okay. Tu me tuer? Tu veux que les gens t'ont envie de nous regarder? Je m'en fous. Je m'en fous. Ça c'est pas vrai ça, Seigneur Jésus Christ. Je me caro, maman caro, maman n'aime pas mon indaï. Ma truque vom. Ouais, ma babon, tu vas seulement m'épouser. Moi, t'es seulement dit. Tu me connais pas encore? Je t'ai appelé, tu me respecter. Je ne te connais pas. Je suis ton enseignant. Attends, tu as gâté mon avenir là. Tu as gâté mon avenir. Toi, au moins, tu vas souvent sortir chaque matin, tu pars travailler. Moi, je serai à la maison avec mon gros van. Je pourrais plus partir à l'école. Je pourrais plus partir à l'école. Oui? Je vais te brutaliser. Brutaliser. C'est ton problème. Moi, je t'ai seulement dit que ne bougez pas d'ici. Prends tes pieds et prends ton sac, va chez vous. Tu ne vas pas partir à l'école. Je ne pars pas. Tu ne pars pas. Tu peux pas? J'étais seulement dit, moi, je suis. Moi, je te parle. Je ne parle pas. Je te parle. Je ne parle pas. Je te brutalise. Il va me tuer. Il va me bébé et moi. Moi, je vous aime. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Tu vas me tuer. Quand tu venais là-bas, tu ne savais pas. Tu m'as dit que laisse le lèvre. Il ne peut pas m'entraîner. Que toi, pas de parcourir que tu sois. Malade. Tu vas prendre soin de mon enfant, Jimani. Je t'ai dit que ne parle pas. Bon, ça va Isoma, Isoma ça va, je vais arranger, ça va, on va arranger, calme-toi, ouais. À l'heure si je devais être en train de donner coup, et dans ta salle de classe, tu es censé être au lycée, et tu viens faire les problèmes ici, tu m'en fous, et tu viens dormir ici devant mon moi je t'ai dit l'autre jour que mes parents m'ont dit, oh, donc je ne me tente même pas, tu vas assumer. Et tu me disais là-bas que laisse ton camarade de classe, il est lève comme toi, il va te donner quoi maintenant, oh, tu m'as vendu le rêve, je suis tombée. Magno, me caro ou quoi? Comme tu veux pas attribuer la paternité là à ton camarade Tonien, j'ai une solution. Patiente. La paternité à Tonien, il ne connaît. Il me disait les choses, il me flattait avant que laisse Tonien. Tonien qui m'aimait. Mais voilà aujourd'hui. Tandis que tu vas seulement m'épouser. Tu m'avais pourtant dit que tu n'as pas une femme aujourd'hui, c'est que wow. Ta permis ça, depuis elle est ici, elle a accouché. Jimani, il dit à me dire que ça va pas se passer comme ça avec moi. Tu vas seulement m'épouser, monte, tu descends. C'est ton enfant. Jimani, j'ai abandonné mon gars, j'ai laissé mon gars. À cause de Dédé, tu vas m'épouser, monte, tu descends, le gros de force dans la maison. Tu continues encore à babader? De moi. Tu veux que tout le monde, tout le quartier entende qu'il y a quelque chose entre toi et moi? Je m'en fous. Ça, c'est pas vrai. Tu veux que ma carrière? Je ne voulais pas que ça arrive, c'est que tu n'as pas ma sainteté. C'est pas la machin, ça. Ma chance, c'est... Bon, ça va. Tiens ça. Voilà 600 000. Tu dis ça à tes parents, tu comprends? Tu dis à tes parents que le père de ton enfant, celui qui t'a enceinté, est parti en Europe.
les Fachambeng. Quand tu vas leur dire ça, ça va apaiser leur cœur. Ils vont se dire que bon, le père de ton enfant, c'est quelqu'un qui est moyen. Hein? Tu vas dire qu'il t'a promis qu'il va t'envoyer 100 000 francs chaque mois. Là, il va arriver prélever 100 000 francs dans mon salaire. Il va t'envoyer. Hein? Tu comprends, non? Là, mais ne leur dis pas que celui qui t'a enceinte, c'est moi. Pardon, Isumba. C'est ma réputation que je suis en train de préserver. Ne gâche pas ma carrière. Et on me connaît ici au quartier. Tous les parents me connaissent. Que je suis un professeur digne. Je m'en fous. Donc tu es prêt à sacrifier ton enfant à cause de ta réputation. C'est quelle histoire ça? Donc tu penses que tu vas acheter ma sagesse à cause de 100 000? Mmh. 100 000 que tu vas envoyer combien de temps? Comment vous les hommes, vous êtes malhonnêtes? C'est comme ça que vous êtes. Tu vas envoyer 100 000 le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. Après, tu vas cesser d'envoyer. Quand même, tu es ici, tu vas me dire que le bon monsieur a voyagé. Tu penses que je ne suis pas sage? Je ne parle pas. Tu penses que tes 100 000 vont acheter ma sagesse? Ne bouge pas. Ouais, tu ne comprends pas. Mais quand tu auras ton baccalauréat, tu vas à l'université, tu vas rencontrer quelqu'un là-bas qui va t'aimer. Hein? Et quand quelqu'un. Et là, maintenant, ce monsieur-là, tu vas venir présenter ça à tes parents. Hein? Tu vas le présenter à tes parents. Et là, tu vas lui dire que c'est lui le père de ton enfant. Là, ça va calmer le cœur. Tu m'appelles, non? C'est honteux. Le temps s'arrête à passer. Mais je ne veux pas que tu prononces mon nom. C'est honteux. Je t'ai dit que c'est vraiment honteux. Montes-tu de sang toutes tes solutions que tu ne fais que inventer dans ta tête là. Mais derrière ça reste seulement là-bas. Tu penses que moi je vais exécuter ça? Tu te crompes. Tu as compris, non? Tu vas rester avec moi quand tu le veux ou pas. Tu vas m'épouser quand tu le veux ou pas. C'est moi qui suis dans la maison et je vais rester. Tu me manques le respect? Je te manque le respect. C'est même quelle histoire. Alors, quand tu venais manger l'histoire, tu ne savais pas. Maintenant, c'est quand où je te manque le respect. C'est même quelle histoire. Je vais rester dans la maison si. Dans la maison si. Ça, c'est pas vrai ça. C'était ma chance, Seigneur. Tu m'as envoyé.